faire un atelier de relooking, c'est-à-dire que les femmes arrivent sans être apprêtées, et 2h30, 3h après, on devient une vedette. Je suis venue pour découvrir d'autres facettes de ma personnalité. Enfin, j'ai de la famille dans la région, donc c'est vrai que je me suis produite pendant pas mal d'années. J'ai fait des concerts dans pas mal de villes du coin. Après, il y a eu l'émission, bien sûr. Et puis, j'ai rencontré une journaliste, donc Vanessa, qui s'occupe de la journée d'aujourd'hui et qui m'avait contactée il y a quelques temps pour ce relooking. Donc, je suis venue faire aussi déjà des essais. Il y a un petit mois, avec Fabrice et Carmen aussi, et Déborah, on a fait une petite séance photo, relooking aussi, c'était sympa. Depuis ce matin, j'ai que du bonheur. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté moitié cuir, moitié... Le côté un peu sauvagerie, j'aime bien. Le côté un peu indienne. J'ai adapté plein de styles différents, des trucs plutôt rock, des trucs plutôt sexy et des trucs plutôt sport avec une tenue sport à la fin qui me correspondait plus. Évidemment, c'était plus facile pour moi de porter ça. On a fait des photos tip top, on a vraiment bien travaillé. C'est ma bouche qui est ressortie de moi en photo et je suis très contente. Voilà. Ah ben, moi, je m'amuse beaucoup. On passe un très très bon moment, c'est très chouette, on est entre de bonnes mains. C'est très agréable de se faire chouchouter comme ça. Puis on a des bonnes surprises, des tenues auxquelles on ne pensait pas forcément, des coiffures qu'on n'aurait pas imaginées, et ça fait plaisir. Tout de suite après, c'est bon, tout va bien, tout va bien.